Et à travers ces difficultés sur terrain, que j'ai compris que c'est que dans la difficulté qu'on avance. Et que les choses se concrétisent. La boîte dans les années 87, je me suis retrouvée uniquement entre hommes à l'intérieur de la boîte et dans tous les réunions à l'extérieur de la boîte. Je me retrouve toujours seule avec les hommes. Toujours pratiquer le management participatif. Pour avoir des résultats, il faut toujours travailler en équipe. Il n'y a pas de résultats individuels. Le rendement au début de la gestion déléguée, il était à 52. Et actuellement, nous sommes aux alentours de 81,5. Donc, il y avait des efforts qui ont été faits. Et sur plusieurs leviers, il y avait plusieurs leviers à faire pour atteindre ce rendement-là. Et ça, c'est pour préserver en amont les ressources et préserver des financements de l'État, à savoir les grands barrages. On a contribué avec tout ce que le groupe a ramené pour nous. Donc il y a de le savoir-faire, si on peut dire ça, qu'on a appris avec le groupe, à travers des nouvelles techniques, d'autres façons de suivi, de gestion, de réflexion. J'étais toujours soutenue, j'avais toujours la confiance de l'ensemble des directeurs actuels, oui, ex-directeurs. Le groupe m'a fait confiance pour accéder à un poste de directeur en tant que femme. C'est la responsabilité, c'est le service public, c'est préserver la santé de nos clients à travers la distribution d'une eau potable et préserver l'environnement. C'est travailler et avancer, hein, malgré les difficultés et les contraintes de la vie. Je remercie beaucoup mes collaborateurs. Merci pour le respect.